avec Lost TV. Lost TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour de la saison ici au Stade Bollaert pour une nouvelle saison de Ligue 2 qui s'annonce avec Lost TV, bien sûr, puisque nous assurerons à chaque reportage des images pour vous faire découvrir les supporters du Racing Club de Lens et aussi l'ambiance d'avant-match qui est importante. Alors Paolo, cette section, parlons-en un petit peu. Oui. C'est une section qui comprend combien de membres ? Bah, on va compter une centaine à peu près. Une centaine de membres ? Et abonnés, hein ? Une centaine d'abonnés. Et vous ? Oui. Je vous en prie. Donc aussi, il y a des gens qui viennent comme ça avec des tickets, tout ça, et on fait un bus à chaque match. À chaque match, donc, vous venez ici depuis combien d'années ? Oh, écoutez, la section existe à peu près, au moins il y a 25 ans qu'elle existe, quoi. Alors Erzeau-Moucron, c'est quand même pas dans la banlieue de Lens. Il y a combien de kilomètres à peu près ? Moi, je dirais entre 60 et 70 km à peu près. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait un tel engouement pour venir à chaque rencontre du Racing Club de Lens ? Bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont originaires du Pas-de-Calais. Et bon, ça reste dans leur cœur le Lens. Par exemple, moi-même, que je suis de Oigny, donc je suis du coin. Et j'habite en Belgique. Et alors, il y a beaucoup de gens du Nord qui viennent aussi pour le match, qui préfèrent Lens que Lille, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que dans votre secteur, il y a d'autres clubs que le Racing Club de Lens. Il y a l'Excelsior Moucron, il y a plusieurs clubs qui jouent quand même à des niveaux très intéressants en Belgique. Et vous, à chaque fois, vous faites les déplacements ici à Lens. Ben oui, je vais à Lens. Et en plus, comme je suis de Moucron, de temps en temps, je vais aussi à Moucron. Donc je fais les deux, moi. Mais mon cœur, c'est toujours Lens. Hein. Je suis abonné à Lens. Hein, donc vous êtes abonné, d'accord. Alors, je vais me rapprocher doucement donc, des membres de la section. Alors, bonsoir, monsieur. On arbore ici fièrement les couleurs du Racing. Bonsoir. Ben, je suis très heureux d'être lensois, en fait, et de venir chaque fois à Lens. Allez nous chanter un petit chant du Racing ensemble. Allez-y, c'est à vous. Allez, lensois. Allez lensois. Allez lensois. Je vais vous poser la même question qu'à Paolo. Qu'est-ce qui fait que quand on habite juste à la frontière belge, eh bien, on vient régulièrement ici à Lens voir les matchs ? Ben disons qu'en fait, moi, c'est plus par rapport à mon arrière-grand-père, qui était originaire d'ici, qui a travaillé dans les mines. Et donc, en fait, c'est mon grand-oncle qui m'a en fait amené au Racing Club de Lens. Et du coup, c'est resté comme ça quoi, depuis quasiment 25-30 ans. Quoi. Quels sont, donnez-moi par exemple, l'un de vos meilleurs souvenirs ici à Lens ? Bon, je dirais quand même le titre, même si c'était pas ici à Bollaert, mais bon, ça reste quand même un super souvenir, quoi. En 1998 ? 98, ou bien après les années 2000 aussi, avec le championnat d'Europe, ou des choses comme ça, quoi. Merci Vincent, bon match. De rien, merci, pareillement. Laissez mon enfant, elle est bien heureuse, dans la buée, elle est lessiveuse. Et je l'avais guéri, à défaut de montagne, dans où je voyais la campagne. Mon cœur était comme moi, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la France, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs le font. Surtout, n'oubliez pas, Lost TV officiel sur YouTube et Lost TV sur Facebook. À bientôt.